Lève les beurrecs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de José avec Jacques du Monde Féminine après 2 jours d'absence, oui, pour des raisons un peu de stage, on en reparlera après. Donc c'était Pays-Bas, Cameroun du groupe La deuxième journée, on découvre les compositions d'équipe. Les Pays-Bas, Van Van Endel, Bloodwort, Dekker, Van Lutheren, Van Hesse, Van de Donk, Spitz, Gwennen, Miedema, Van de Sanden, La Lyonnaise et Martens. Pour les Camerounais, Leco, Fejo, Manier, Johnson, Mefometu, Abdoui Ogene, Ngo, Mebelek, Yango, Abam, Anganamouit. Voilà le 5-4-1 aligné par les Camerounais. Dites-le moi si vous savez vous comment on prononce les noms, si je les ai mal prononcés. Donc voilà, une première mi-temps à part les 5 dernières minutes où on va s'endormir complètement, faire la sieste. 22e minute, la seule occasion à part les buts. Abdoui Ogende est lancé dans la profondeur, le hors de vent du terrain et la frappe de cette première passe juste au-dessus de la cage. On va en rester à 0-0 jusqu'à la 41e minute. Le centre de Van de Sanden tendu et la tête de Medema qui finit au fond des filets. Quel beau centre, très tendu, beau centre, beau geste de la tête et la tête bien passée, imparable. Ça fait 1-0 pour les Pays-Bas. 45e minute, le ballon en l'air dans la profondeur pour Abdoui Ogende qui égalise. Très bon appel. La défense était mal placée, hein, il faut le dire, très mauvais alignement et relâchement néerlandais en 4 minutes, ils se sont relâchés, on croit qu'ils avaient fait plus dur le chemin, mais non, les Camerounais, j'allais dire l'Afrique du Sud, sont bien dans cette rencontre et à la pause on voit que les Camerounais arrivent mal à relancer, les Néerlandais passent pas assez côté gauche, passent toujours vers Van de Sanden, un peu comme les Françaises autrefois, mais par contre, les Camerounais sont Camerounaises sont solidaires en défense et défendent bien, coupent bien les passes, etc. 25 minutes en dormant, comme je vous l'ai dit, et 5 minutes de folie en fin de première mi-temps. 47 minutes pour la seconde période. Le coup franc joué à 2 et Spitz pour Gwennon. Le centre de cette dernière est mal renvoyé par la défense camerounaise, par Abam, plus précisément, qui revient dans les pieds de Bloodwort. Et voilà que les Pays-Bas reviennent dans la course. Avec reviennent dans la course, marque un but, José ne sait plus où il en est, manque de concentration de la part de la défense camerounaise, elles ne se sont pas parlé, les Camerounaises, et voilà qu'elles sont menées au score. 57e minute, la volée qui passe juste au-dessus de la cage camerounaise, et puis en fin de match, dans le dernier quart d'heure, 10 dernières minutes, le décalage pour Martens qui rentre pied droit, frappe et marque le but du 3-1. Très bon décalage et une frappe bien placée. Elle a refermé son pied au dernier moment. Donc ça s'était bien joué de sa part. Voilà, donc on va passer au top et au flop. Parce que d'abord au classement, on va voir tout de suite le classement. Donc José est endormi à la hauteur, comme à la hauteur du match. Donc le classement, 6 points pour les Pays-Bas qui est désormais qualifié pour les 8e de finale. 3 points pour le Canada avec un match de moins. Cameroun est dernier, 0 point, et Nouvelle-Zélande, oui je me suis pas trompé, oui de Nouvelle-Zélande qui sont avant-dernier 3e, qui font pas partie des meilleurs 3e à mon avis, mais qui n'est avec un match de moins face aux Canadiennes. Je vous afficherai les stats du match sur la deuxième période, et enfin les tops et les flops. Donc les tops et les flops, avec le premier top, je vais mettre la buteuse Martens qui a fait un très bon match, qui a marqué un joli geste, qui a marqué un but de classe internationale, bien refermé son pied, c'était bien joué, bonne lecture du jeu, elle a bien vu qu'autrement elle ne le marquerait pas ce but et c'est pour ça qu'on la met dans les tops. Tout simplement pour le flop, on va mettre la première mi-temps, sauf les 5 dernières minutes, je dis bien sauf les 5 dernières minutes. Parce que c'était vraiment envie de faire la sieste. Hein. Ouais, je me suis endormi, excusez-moi les amis. Bref, reconcentration. Donc c'est bien les tops et les flops. On continue avec un nouveau flop dans quelques instants. Alors en première période, autant les Camerounaises étaient bien concentrées en défense, mais en deuxième période, c'était vraiment manque de concentration et début stupide. Voilà, donc deuxième période camerounaise à oublier. Franchement, la première était pas mal, mais la deuxième est vraiment à oublier avec un manque de concentration. Ça a continué. En première période, ça a été déjà qui dégageait mal, mais en deuxième, ça a continué quand même.
Et ça a vraiment amélioré. Et pour l'instant, elles sont éliminées. Elles sont pas encore officiellement éliminées, mais peut-être pour bientôt. Pas officiellement éliminées en cas de victoire des Néo-Zélandaises. Je pense que ce serait officiel, elles seraient éliminées. Je voudrais pas dire de conneries. Je vous ai montré le classement. Donc revenez en arrière pour bien voir. Mais en tout cas, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et je vous dis, Kishel Pali, à la prochaine, les amis.